Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Tribes. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu avant de commencer la vidéo invocation. Ce sera une vidéo assez rapide. Comme vous le savez, on est à l'anniversaire des 1 an et demi. Et il y a le fameux portail de Naruto Kurama Link Mode qui est un perso très très intéressant. Je vous en avais déjà fait une vidéo, mais je vous avais pas montré le gameplay du personnage. Du coup, on y va. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Tout d'abord, je vous montre le perso natif 3 étoiles. Du coup, il ressemble à ça. Et une fois éveillé à 5 étoiles, il ressemble à ça. Petite animation sur le perso, très très beau, comme vous le voyez. Magnifique. Et on va passer maintenant à son attaque. C'est le... A priori, c'est bombe de chakra, ouais. Bien ça. Attaque de zone, bien sûr. Attaque très intéressante. Et on va passer au Strib, qui est l'attaque combinée, je crois, avec Hinata, si je dis pas de bêtises. Ouais, l'attaque combinée avec Hinata. Du coup, là, il va passer le chakra à tout le monde. Et vous voyez la fameuse animation qu'ils ont fait pour couper l'arbre, je crois. Non, non, c'est pas l'arbre. C'était pour battre sûrement la statue. Et le trip numéro 2, c'est avec qui? C'est le trip tout seul, je crois. Ou avec les autres persos. Et qui montre l'évolution de Naruto. C'est plus ou moins la même attaque. Ok. Bon, on a de quoi faire une multi. La dernière vidéo, je crois qu'elle date d'il y a 2-3 jours. Une multi et quelques singles. Du coup, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas drop, le dernier perso que j'ai drop, je crois bien, c'est comment il s'appelle, Naruto Chakra Mode. Contrôlé. Maintenant, on va voir ici si j'arrive à drop avec des multi et singles. Allez, on va faire une single. De toute façon, comme je le dis, il y aura plusieurs sessions, plusieurs vidéos invocations sur les sessions. Pour cette session-là. Ce portail-là, plutôt. Ok, on a toute l'équipe. Oh! Ouais, bon, on skip. Ouais, j'ai déjà. Je crois que j'ai déjà 5 étoiles, elle. Ça sert à rien. Il me la redonne à chaque fois. Allez, on va faire la petite multi. Je pense pas que je vais drop directement. Avant toute chose, je vous montre un peu ma box. J'ai pas une box faux folle, mais mine de rien, ça reste assez correct dans l'ensemble. Du coup, j'ai le Rasen, enfin le Boruto Uzumaki du film. J'ai le Naruto, j'ai le Sasuke contre... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Contre le Itachi contre le Sasuke Revenge. D'ailleurs, j'ai les deux. J'ai Kakashi jeune. J'ai le Naruto SR là. Du film. Et. Récemment, j'ai drop lui, mais. Ouais, il est ok tier, on va dire. Après, le reste, c'est des anciennes unités. Des anciennes unités, excusez-moi. Le reste, là, ce que vous voyez ici, c'est des persos que j'ai achetés. En fait, quand vous dropez pas des persos, vous pouvez les acheter. Il y a une boutique spéciale qui vous permet d'acheter ces persos, mais qu'à une étoile. C'est un bon point, ça veut dire que au moment où vous allez drop le personnage, vous allez directement le monter à 4 étoiles. Du coup, voilà. Les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu pour me soutenir. Et qui plus est, quand vous lâchez le petit pouce bleu, les gars, ça vous permet
d'avoir plus de chances de drop vos personnages, quel que soit le jeu auquel vous jouez, bien sûr, vous, si vous n'êtes pas au courant. Allez, sur ce, on y go. Alors, drop rate. Le drop rate, il est très, très bas, par contre. Hein. Même Nanatsu, il n'a pas un drop rate aussi bas. Hein. Le taux de drop, il est très, très bas. Du coup, on est à du 0,2% sur du UR. 4 étoiles. On est à du 3 à du 2,8% sur du UR 3 étoiles. Et après, le reste, 4 étoiles SR 2 étoiles. SR 3 étoiles 38%. Et le reste, on s'en fout, c'est du R. Dans tous les cas, tous mes R sont maxés 7 étoiles. On s'en fout. Du coup, pour drop Naruto, le nouveau perso Naruto Kurama Link Mode, c'est du 0,04%. On va dire 0,05%. Aux alentours. Madara Uchiha réanimation, ça sera intéressant de l'avoir. Le Itachi Uchiha, d'ailleurs, que j'ai pas réussi à drop non plus. On va essayer. Allez, go. Deux boules de chakra. Si j'arrive à avoir que Sasuke au début. Ah, c'est dommage. Je pense que j'ai un UR, mais je suis pas sûr. Ah ben non, c'est un gros gros skip. Peut-être je peux avoir un sweep. Non, j'ai rien. Que des R, oh là là. Enfin pas que des R, mais oh, c'est dommage. Je peux avoir un fake out. Mais même si j'ai un fake out, j'aurais pas Kurama Link Mode. C'est que des persos que j'ai en fait. Vraiment, le taux de drop, faut vraiment qu'il aille meilleur par contre. Hein. Parce que ça fait trop trop longtemps que j'ai pas drop. Là, c'est abusé. On termine avec allez, deux singles du coup. Si j'arrive à le drop en single, alors là. Deux boules de chakra. Ça sent bien que j'en ai quatre en fait. Ouais, ça fait longtemps. Bah, un skip, j'aurai rien sur ça. Deux boules de chakra encore. Ça, oh là là. Ah, fa, c'est dégueu. Tellement dégoûté. Il me le faut ce perso, vraiment il me le faut. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai quasiment tous les Naruto. Ah, j'en peux plus, elle fait que tomber elle. Elle fait que tomber. Parce que là, j'ai quasiment tous les Naruto. Il m'en manque que deux. Ouais, deux. Et c'est dommage qu'il me donne pas celui-là. On verra d'ici la fin du portail avec les bonus de connexion. Normalement, j'aurai de quoi faire encore 3-4 multi derrière. On verra d'ici 12 jours. Enfin, 11 jours du coup. Hinata, elle est où? Vu que j'ai eu pas mal de doublons. Ça vaut pas le coup en vrai. Réellement, ça vaut pas le coup. Ok. Parmi les sœurs que j'ai, ce serait intéressant de le monter. Lui c'est, je sais que c'est une bonne unité, mais j'hésite encore. Parmi les sœurs, il y a quoi d'intéressant? Pas de perso intéressant à SR. Ah oui, j'ai le Tsuchikage, mais je sais pas, j'hésite. C'est pas la même Hinata que j'ai là. Si, c'est la même Hinata, ouais, c'est ce que je me suis dit. Il n'y a pas de Hinata de toute façon. Il y a une variété de personnes qui peuvent sortir, mais je sais pas, ils attendent quoi pour les sortir. Là, ils jouent sur les gros gros persos en ce moment, entre Madara, réanimation et tout.
Ah, elle, j'ai réussi à la monter. Ouais, ça va. Elle, j'ai réussi à la monter 4 étoiles. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous ai tenu un peu plus longtemps que prévu. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve d'ici 3-4 jours pour de nouvelles vidéos sur ce jeu. Enfin, vidéo invocation. Sur ce, je vous dis ciao, peace et prenez bien soin de tout le monde. Petite coupure. J'ai vu qu'il y avait une petite promotion, je me suis fait plaisir. 5-6 euros pour une petite multi. C'est gratuit, c'est fait. Et on va du coup partir sur la deuxième multi en espérant le drop cette fois-ci. En tout cas, au total, j'ai fait combien? Quasiment fait 3 multi. Là, on va partir sur la quatrième multi, on va dire. Espérons que ça ne crache pas. Je regarde que tout fonctionne correctement. Les gars, cette vidéo, c'est pour vous. Du coup, un maximum de pouces bleus. Ça me ferait plaisir. On démarre de suite la deuxième multi. Je voulais casser le détecteur, mais on peut pas casser le détecteur, on n'est pas sur Dokkan. Regarde juste les stats. Ok, taille d'un. Ok, ça m'a mis de puissance. Ok. On démarre une multi, s'il vous plaît. On le drop pour finir la vidéo en beauté. S'il vous plaît, j'espère que ça va pas crash parce que sur le navigateur ça bug toujours. Ouh, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal. Ok. Ben non. Oh là là, je suis dégoûté. Ah ben voilà. En parlant du crash. On va laisser le son juste pour voir si on va drop. Enfin non, dans tout cas ça c'est inutile, on se reconnecte. On se reconnecte, on n'a pas le choix. Ah, le navigateur qui pète un câble à chaque fois. C'est pour ça que je joue que sur BlueStack ou sur Montel. C'est parce qu'il y a ces problèmes-là. C'est dommage, c'est dommage. Du coup, on va aller voir dans. Oh là là. On va aller voir dans l'historique des invocations. Même si ça m'aurait étonné que je le drop. Summon. Ça gâche la vidéo, ça. C'est dommage. Summon History. Ah, c'est du gâchis. C'est abusé. Même pas un UR. Abusé. Mon dernier UR. Alors j'ai fait. Alors. Une multi ici. Deux multi. Trois multi. Ça pue. Ils abusent vraiment par contre. Surtout qu'on peut pas voir l'intégralité du. Bah, du. Des invoques, c'est dommage. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'hésite à faire un dernier truc, les gars. Allez. Je coupe encore, je sais. Je coupe encore. Mais allez. On va terminer avec une petite single, on sait jamais. La chance pourrait revenir. Oh, allez. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour terminer. Oh! Mais non. Ok. Ah, dommage. Dommage, j'ai pas eu l'apparition de Sasuke à la fin. Switch, et ça crache encore. Un peu déçu. Du coup, on va aller voir ce qu'on a drop. Du coup, c'est Ether minimum. En plus, ça allait partir sur un sweep, je crois. Un swap. Un switch. Ouais, un switch plutôt.
va aller voir ce qu'on a drop hein, sur mon story encore. Passer par les navigateurs, c'est vraiment un truc de feu. Bon. Ce serait bien qu'il lâche le jeu chez nous, ça serait cool. Alors on va voir si on la drop. Alors sur mon story. Orochimaru. Orochimaru. Ok, bon, c'est éclaté. C'est dommage. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine pour finir la vidéo avec une multi et demi ou deux. On verra si je vais être chanceux. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et peace. Petite coupure. J'ai vu qu'il y avait une petite promotion. Je me suis fait plaisir. 5-6 euros pour une petite multi. C'est gratuit. C'est fait. Et on va du coup partir sur la deuxième multi en espérant le drop cette fois-ci. En tout cas, au total, j'ai fait combien? Quasiment fait 3 multi. Là, on va partir sur la quatrième multi, on va dire. Espérons que ça ne crache pas. Je regarde que tout fonctionne correctement. Les gars, cette vidéo, c'est pour vous. Du coup, un maximum de pouces bleus. Ça me ferait plaisir. On démarre de suite la deuxième multi. Je voulais casser le détecteur, mais on peut pas casser le détecteur, on n'est pas sur Dokkan. Regarde juste les stats. Ok, taille d'un. Ok, ça m'a mis de puissance. Ok. On démarre une multi, s'il vous plaît. On le drop pour finir la vidéo en beauté. S'il vous plaît, j'espère que ça va pas crash parce que sur le navigateur ça bug toujours. Ouh, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal. Ok. Ben non. Oh là là, je suis dégoûté. Ah ben voilà, en parlant du crash. On va laisser le son juste pour voir si on va drop. Enfin non, dans tout cas ça c'est inutile, on se reconnecte. On se reconnecte, on n'a pas le choix. Ah, le navigateur qui pète un câble à chaque fois. C'est pour ça que je joue que sur BlueStack ou sur Montel. C'est parce qu'il y a ces problèmes-là. C'est dommage, c'est dommage. Du coup, on va aller voir dans. Oh là là. On va aller voir dans l'historique des invocations. Même si ça m'aurait étonné que je le drop. Summon. Ça gâche la vidéo, ça. C'est dommage. Summon History. Ah, c'est du gâchis. C'est abusé. Même pas un UR. Abusé. Mon dernier UR. Alors j'ai fait. Alors. Une multi ici. Deux multi. Trois multi. Ça abuse. Et ils abusent vraiment par contre. Surtout qu'on peut pas voir l'intégralité du. Ben du. Des invoques, c'est dommage. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'hésite à faire un dernier truc, les gars. Allez. Je coupe encore, je sais. Je coupe encore. Mais allez. On va terminer avec une petite. Une petite single, on sait jamais. La chance pourrait revenir. Oh, allez. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour terminer. Oh! Mais non. Ok. Ah, dommage.
Dommage, j'ai pas eu l'apparition de Sasuke à la fin. Switch et ça crache encore. Un peu déçu. Du coup, on va aller voir ce qu'on a drop. Du coup, c'est Ether minimum. En plus, ça allait partir sur un sweep, je crois. Un swap. Un switch. Ouais, un switch plutôt. On va aller voir ce qu'on a drop. Hein. Sur mon history, encore. Passer par le navigateur, c'est vraiment un truc de feu. Oh. Ça serait bien qu'il lâche le jeu chez nous. Ça serait cool. Alors, on va voir si on la drop. Alors, sur mon history. Orochimaru. Orochimaru. Ok, bon, c'est éclaté. C'est dommage. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine pour finir la vidéo avec une multi et demi ou deux. On verra. On verra si je vais être chanceux. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et peace.